Non, un poulet, souvent, vous savez. Permettez-moi de vous dire que je vous apprécie énormément et que je connais tous vos films par cœur, mais pour ça. Si, c'est gentil. Hein. Voilà. La question. Bon, les gens sont aussi une convention. Je l'ai payé 400 euros. Pour non, 1000. Alors, je voulais dire. Et je voulais vous demander le nom de Monsieur Sim. Mais je vais vous faire une réflexion, je ne sais pas si elle va vous plaire ou non. Par moment, vous aviez des airs à Sim. Et Sim, c'était un homme que vous aviez beaucoup de charme. Je l'ai rencontré. Beaucoup de charme, c'est exactement ce que je veux dire. Non, mais c'est pas vrai. Le nombre de fois où j'ai vu Sim, je me suis dit putain, qu'est-ce qu'il a comme ça. Mais je voulais lui donner le rôle et je l'ai pas fait. C'est vrai qu'il m'a dit, enfin la première chose qu'il m'a dit, il se trouve que tu ressembles beaucoup à Sim, l'artiste, le musical. Et que donc c'est ça qu'il a entraîné vers la candidature. Comment ? C'était un compliment. Ah, mais moi aussi, c'est un compliment. Voilà. Et je ferai tout pour essayer de grimacer comme ça. C'est pareil, il faut avoir de l'expérience. Pour l'instant, on ne l'est pas encore. Mais j'espère bien que dans 5 ou 10 ans, je serai capable de faire la fille d'après, de faire des compatriotes. Vous voyez, ce massif, pour moi, c'est le top. Enfin, franchement, je vais pas faire. J'aime Robert De Niro ici. Mes deux acteurs en fait juste. Mais c'est marrant parce qu'on me dit rarement je sens la De Niro. À chaque fois ça me remplit d'une joie. Parce que déjà que j'ai des complexes, tout ça. Est-ce que je suis si charmant que ça, etc. Voilà. Pas vous dire mieux. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une vraie récompense. Et franchement, pas bien. Non, mais. Une hypothermie, donc j'étais ravi de voir. Je vais raconter ça à tous les amis. Je suis très touché par votre problème. Je vais le raconter. Ah, je vais le marquer sur mon iPhone pour pas bon, parce que je peux très bien rater un ami. Et du coup, ne pas lui raconter. Non, ça, je ne vais pas faire ça. Il y a vraiment. Je vais faire ça en groupe. Tu pourrais faire un biopic. Maintenant, je pense vraiment à écrire moi-même une biographie de Sim en espérant que Agnès va bien le tourner. Ça va être très bon. On ira voir avec Agnès. Parce que les arbres étaient couverts de ce tissu à poids. Ah oui, de ce machin à poids. Et c'est là que vous êtes dit, non, mais ça ressemble à Sim. Franchement, c'est la première fois que je dis ça. Et vraiment, vous ne savez pas ce que ça me fait. Alors, en fait, c'est ça le truc, c'est que vous ne savez pas ce que ça me fait. C'est vraiment... Moi, ce sera un grand souvenir pour toute la série. Merci beaucoup. Mais vraiment, alors vraiment, je vois. Oh là là. Alors là, qui veut enchaîner? Je me demande même si, depuis que je fais ce métier, je me demande même si j'ai déjà eu une aussi bonne critique. Si ça vous dérange pas, je vais appeler directement Agnès. Je suis content avec moi. Thank you.
Alors, vous trouvez que je ressemble à qui? C'est plus la rigolade hybride, parce qu'en fait, vous dépassez 5 km/h, ça passe à l'essence, quoi. Donc, c'était vraiment de la façade. Et je tiens à dire que Peugeot ne nous a donné pas un centime pour faire le film. Sans déconner. Non, sans déconner, quoi. Ouais. Ils n'ont pas voulu, parce que quand on leur a donné le scénario, ils ont vu qu'à un moment donné, il était bourré au volant, et ils ont dit ça, on peut pas. Ça se fait pas. Oui, et il y a une autre marque qui a refusé, parce que à un moment, le siège se coince. Vous savez, quand c'est comme ça, là. Et donc, la marque a dit, ah non, nous, nos sièges ne coincent jamais. Donc, on peut pas, vous voyez, parce qu'ils ont un cerveau à peu près comme ça. Ça aurait été un film de Luc Besson, elle aurait pu faire 18 tonneaux. Oui, là, ça allait. Ouais. Mais vraiment, le siège comme ça. Donc finalement, moi, je vous la conseille pas trop. Oui, mais moi, j'aime bien. Acheter une japonaise ou... Non. Non. Acheter une française. Ok. La France. Ouais. Ce sera là-bas. Bonsoir. Alors, déjà, un très très grand bravo pour le film. J'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup merci. Rigolé. Et. Moi, étant pâtissier, j'ai travaillé aussi du côté des cuisines, donc... Vous pouvez dire moi, personnellement, hein. Parce que je sentais qu'il y avait un moi et il y a eu un blanc. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez dire moi, personnellement. Je ne savais pas comment le formuler. Donc, je me suis un peu retrouvé pendant le film, donc vraiment bravo. Et je voulais savoir, est-ce que Jean-Pierre était le premier choix principal de... Et en fait, je pense, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont contacté 17 acteurs. Ils sont allés de leur premier choix. Et actrices. Après, ils sont descendus, Lannion, Auteuil, Cluzet, tout ça. Et puis à un moment, ils ont fait complètement regarder. Et quelqu'un leur a dit, Eva Kring, enfin, non. Et alors là, on leur a dit, mais eux, tu vois bien qu'il y en a 15 qui t'ont refusé. Ils disent, non, enfin, Eva Kring. Et puis il se trouve que ma mère. Ma mère connaît bien leur mère, mais complètement par hasard, parce que je sais même pas comment elle les a connus. Sauf que donc elle aura passé un petit coup de fil en disant, mais pourquoi Est-ce qu'il a mon fils Il a mon fils de si moche. Et bon, ils ont passé le message, tout ça, et ils m'ont... Ensuite, ils m'ont pris... Enfin, je veux dire, j'ai passé des essais. À 8 reprises. J'en ai eu 8 fois parce qu'ils n'étaient pas archi convaincus. Il se trouve que Agnès Jaoui, qui connaissait la tante d'Eric, ça lui a dit tu, vraiment, vous le sous-estimez, je pense qu'il est capable de jouer certains trucs. Parce qu'elle sait bien que je ne peux pas non plus tout jouer. Et là, ils m'ont repris dans un 9e essai. Et il se trouve qu'ils m'ont pris dans une scène que j'ai su jouer, et ils m'ont pris à contre-cœur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai été payé 2 500 € pour tout le film. D'ailleurs, c'est pas définitif, hein. C'est pas définitif. Voilà, ils pensent à me remplacer en 3D, t'as pas ça. Tout n'est pas vrai sur ce que a dit Jean-Pierre. Certains trucs. Ce qui est vrai, c'est qu'on a demandé un devis sur la 3D. Voilà, c'est tout. Non, en fait, on a écrit ce film pour lui. Donc, voilà. C'est exactement ce qui vient de résumer. Alors, donc, on a eu les traits. Merci. Bon, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Moi, je suis un fan de vous, Monsieur Bakri, donc c'est un grand honneur de vous retrouver. Par contre, en fait, quand je vous ai vu arriver, je vous ai trouvé hyper naturel, et je me suis dit, mais c'est le Bakri du film. Et en fait, je m'interroge sur plusieurs choses. Ça veut dire que je vous vois toujours dans les mêmes rôles, plus ou moins, mais je sais pas si qui est l'acteur et qui est l'homme. Et moi j'adore votre humour, et d'ailleurs vous l'avez prouvé, vous avez un humour hyper sarcastique, à la fois tendre, à la fois... en fait, donc c'est quoi? C'est les scénaristes qui vous proposent toujours la même chose, et vous, quand vous avez pensé à Jean-Pierre Bakri, vous avez dit, bah tiens, on a besoin de quelqu'un qui soit un peu râleur, un peu tendre, un peu... Hop, là c'est Bakri, immédiatement. Et vous êtes enfermé dans ça,
Et en même temps, vous, votre prestation d'acteur, je me dis, mais c'est la première fois que j'y pense, hein, c'est parce que je vous vois en vrai, je me dis, mais est-ce qu'il sort de sa zone de confort? Est-ce que il va chercher l'acteur? Voilà. Est-ce que Bakri va chercher l'acteur réellement, ou finalement il joue du Bakri, il a trouvé la ficelle, ça marche depuis des années, et il prend... Merci monsieur. Je suis pas pâtissier, je travaille pas dans le milieu, et j'ai essayé de prendre du recul avant de poser la question. En fait, c'est votre dernière proposition qui est la bonne. C'est que j'ai trouvé la ficelle. Je me suis dit, tiens, ça, je sais faire que ça. Donc, je vais le faire tout le temps. Tant qu'on me propose des rôles, je vais le faire. Et je continue dans cette veine-là, parce que je sais pas faire autre chose. Je peux pas vous répondre autre chose, parce que ça, c'est un commentaire que vous faites. Moi, je me vois pas comme vous me voyez. Mais ça, c'est mon problème personnel. Moi, je pense que je joue des rôles différents. Je pense que le mec du bout des autres, c'est pas le mec de ce film. J'ai joué plein de rôles, je pense que c'est pas tous les mêmes. Mais si vous le voyez comme ça, je vais simplement pas venir dans votre cerveau vous enlever la partie du cerveau qui pense ça. Je vous laisse avec vos opinions, je peux pas faire autrement. Et en fait... Moi, je choisis les scénarios parce qu'ils me plaisent, mais peut-être, effectivement, que c'est ma zone de confort. Je sais pas quoi vous répondre. Je pense que c'est des gens qui me voient autrement que vous qui pourraient vous répondre. Mais moi, je peux pas me défendre. Vous semblez me dire quelque chose. Il faudra que quelqu'un, un jour, de la salle ou de vos proches, vous convainque du contraire. Mais moi, je peux pas venir me défendre. Je suis pas en position d'accusé, donc... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est votre commentaire, je peux rien y faire, je peux pas vous dire oui, vous avez raison, c'est une ficelle, parce que j'en ai pas une, évidemment. Moi, je choisis les scénarios en fonction de mon humanité, de ce que je ressens des personnages. Je trouve pas, moi, que je joue toujours le même rôle, mais moi, je vois ça de l'intérieur de Jean-Pierre, donc je me trompe peut-être, c'est vous qui avez raison. Je peux pas vous dire. Faut consulter un tiers.